Voilà, normalement on continue l'aventure. Et je sais pas pourquoi, mais je comprends pas l'OBS. Là, épisode précédent, je suis navré, mais il m'a pas enregistré le son du jeu. Juste ma voix, je comprends pas. Alors que j'ai la barre qui bouge en contrôle OBS, je comprends pas. Je suis désolé. Bref, on continue l'aventure. Alors, il me suit, frère Martin, ou il est à la ramasse? Ah, le blanc. Je crois qu'il en a marre de courir. Ah, il est bon, hein? Sacré frère Martin. Voilà. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. Ah, la vue est sympa. Franchement. Ah,
Ah! Oh! J'avais pas vu qu'il était là. Ah bah, vu. J'allais donner un coup de main, mais je vois qu'il n'y a pas besoin. J'ai passé. C'est dans le port cendre qu'il y a eu un souci. Ah oui. J'entends. À l'aide! Aidez-moi! Ils sont en train de tuer tout le monde au prieuré de Waynon! Oh non. Dites-moi ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Je crois qu'ils ne sont pas loin derrière moi. Le prieur Maborel est mort. Qui c'est qui attaque? J'étais dans la bergerie quand ils ont attaqué. J'ai entendu le prieur parler à quelqu'un. J'ai regardé pour savoir qui c'était. On aurait dit des voyageurs, des gens ordinaires. Tout à coup, ils ont sorti des armes, et ils ont abattu le prieur avant qu'il ne puisse faire un geste. Ils m'ont vu, alors je suis parti en courant. Où est Jove? Il est en sûreté? Je ne sais pas. Dans la chapelle, en train de prier, je crois. Vous devez nous aider. Parlez! Vous... J'aurais bien besoin d'un coup de main! Hein? Allons, 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 l'aube à l'aide, allons, réjouissez-vous, allons, pas la pire, presque là, de la mort, vous êtes faible, la purification, il y en a peut-être d'autres. Par le sang des dieux, ils sont apparus de nulle part. Avez-vous vu le grand maître Joffre? Ah, Léonard,
paradis qui était dans la chapelle. Vite! Il peut avoir besoin de notre aide! C'est possible. Vous arrivez juste à temps. Je prends celui de là. Le seigneur Dagon accueillera bientôt. Le seigneur Dagon accueillera bientôt. L'entraînement de milliers de combattants s'est fait sous mes ordres. Je n'ai pas peur de la mort. Oh. Il m'attend. Bonjour. Vous revoilà. Talos soit loué. Ils ont attaqué sans prévenir. J'étais en train de prier dans la chapelle quand j'ai entendu le prieur Maborel crier. J'ai juste eu le temps de trouver une arme. L'amulette des rois. Je me doutais quelle était la cause de cette attaque. Je la gardais dans une salle secrète de la maison de Waynon. Nous devons vérifier si elle est en sécurité. Bah... oui, je vais aller surveiller l'amulette. Ah là 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 là. Nous irons ensemble, mais je crains le pire. Et toi, ça va ? Vous pensez qu'il y a encore des assassins qui traînent ? Oh bah oui, ils sont légion. Suis-moi. Je suis avec vous. Je crains que l'ennemi ne soit venu ici que pour l'amulette des rois. Je vous salue. Le pauvre prieur Maborel. Il était mort quand je suis sorti. Qui a bien pu faire ça ? Oh là 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 là. Bref, on en reparlera plus tard. Au revoir. Ah merde. Ah, anneau en or. Merci. Bonne nouvelle, citoyen. Comment ça, bonne nouvelle ? Merci pour votre aide. Je pensais vraiment qu'aucun d'entre nous ne survivrait à cette attaque. Oui, bah oui. Au revoir. Ils l'ont prise. L'amulette des rois a disparu. L'ennemi nous a battus à tous les niveaux. J'ai trouvé Martin, il est en sécurité. Ainsi, tout n'est pas perdu. Talos soit loué. Nous avons perdu l'amulette des rois, mais gagné l'héritier d'Uriel. Martin ne peut pas rester ici. Nous les avons repoussés, mais ils reviendront dès qu'ils apprendront que Martin a survécu. C'est certain. Où Martin pourrait-il être en sécurité, d'après toi ? Aucun endroit n'est vraiment sûr quand on sait la puissance démesurée qui se déchaîne contre nous. Mais nous devons essayer de gagner du temps, au moins. Le temple du maître des nuages, je pense. Quoi ? La forteresse cachée des lames, dans les montagnes, près de Bruma. Quelques hommes suffisent pour la défendre contre une armée. Nous devons partir sans tarder. Ah ouais. Et l'amulette des rois ? Maintenant que l'amulette est aux mains de l'ennemi, nous devons placer Martin en sécurité au temple du maître des nuages. Et c'est quoi ce dit temple ? Disons-moi plus. Le temple du maître des nuages a été construit il y a très longtemps par les fondateurs des lames, du temps de Rayman Cyrodiil. Il est tout en haut dans les montagnes, près de Bruma. C'est notre ancienne forteresse, notre sanctuaire, le refuge de la dernière chance. Martin sera en sécurité là-bas. D'accord. Nous devons nous dépêcher. Je ne serai pas tranquille tant que Martin ne sera pas en sécurité au temple du maître des nuages.
Bon, bah, il va rester avec moi en tant que compagnon d'aventure. Je vais pas aller tout de suite au temple des nuages. Réfléchissons. Ouais, je vais aller en ville vendre mes trésors. Tu me suis, on est d'accord. Allons au temple du maître des nuages. Je n'ai pas eu une seule vraie nuit de sommeil depuis que Kvatch a été attaqué. Suivez-moi. Plus vite nous arriverons au temple du maître des nuages, mieux ce sera. Passez devant. Pas tarder à me rejoindre normalement. Ça, bah oui, l'armure me permettait de... Ah, j'avais oublié ça. Que l'armure me permettait d'avoir un bonus de... de poids dans l'inventaire. Ah, mince. Je suis obligé de garder l'armure en côte de maille. Bon, il me rejoint, oui, ou quoi, tiens. Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Oui, je vous aide. Avez-vous déjà acheté non, un cheval? Non, il m'a pas suivi. Je ne demande pas souvent, mais bon, j'ai déjà entendu beaucoup de gens louer la qualité de ces animaux. Quelles sont les nouvelles des autres? Qui a-t-il? Ah, c'est l'écrivaine. J'avais oublié. Des rumeurs? J'ai vu Rimalus Bruyant promener ses chiens tout à l'heure. Hier aussi, d'ailleurs. Et avant-hier. C'est à croire qu'il ne fait rien d'autre de ses journées. Il n'y a rien dont j'ai envie de parler. Au revoir. Au revoir. Je vous en... Oui? Qu'est-ce que vous avez? J'ai entendu dire que des gens avaient vu des gobelins dans le coin il n'y a pas longtemps. Je ne les supporte pas. Je les déteste. J'ai entendu dire que les hauts elfes les entraînaient. Je n'arrive pas à le croire. À bientôt. Bonjour. Bon après-midi. Bonjour. Bonjour. J'espère pouvoir vous être utile. Juste pour des rumeurs, on papote. J'étais à Chedinal la semaine dernière, et je suis sûr d'avoir vu Rénal Djeman. Mais il s'est comporté comme s'il ne me connaissait pas. Oui, il faut que je mène l'enquête dans cette ville qui m'est tout sauf familière. Au revoir. Bonjour. Ah, la mère et la fille, hein, elles sont... copier-coller. Bon, des rumeurs? J'ai vu Rena Bruyant parler à ses chiens l'autre jour. Je suis sûr qu'elle pense qu'ils la comprennent.
Ouais, bon, bref, on... Regardez ce que j'ai à vendre. Il y a forcément quelque chose qui vous plaira. C'est possible. C'est possible. Ah oui, les marteaux d'apprenti, ouais. Ouais, bah je t'en prends une dizaine, pas plus. Alors, qu'est-ce que je te vends? Les anneaux, pour le moment, je vais les garder. Peut être sympa comme truc, mais non, je vais revendre. Ouais. Oui, je peux en vendre un. C'est une bonne affaire. Ça stratégiquement ça peut être terrible. Ma réduction de magie, si je fais ça contre un mage, c'est sûr que pour moi ce sera tout bénef. C'est une... Après c'est des ingrédients d'alchimie. Je sais plus si même ça ils les achètent à fort prix, je sais plus. Enfin, je suis dans le doute. Revenez quand vous voudrez. Normalement, je dois pouvoir me déplacer. Vous aussi. Ah, merde. Ah, ça se joue à pas grand chose. Ça joue à pas grand chose. Mais il faut que j'aille voir un forgeron. Bonjour. Oui, bonjour toi. Mais t'es pas le forgeron d'ailleurs. Ah, il m'a rejoint enfin. Merde, je suis allé chez le libraire alors que je voulais le... Erreur, désolé. Je voulais aller chez le forgeron. Salut. D'ailleurs, il est où le forgeron? Bah. J'ai vécu quelque temps dans la cité impériale, mais la discipline ne me convient pas. Je me sens beaucoup mieux à quand même. Bien sûr. Ouais. Quelles sont les nouvelles des autres provinces de Tamriel? Il n'y a rien dont j'ai envie de parler. Il est dans l'autre truc. Mais oui. Qu'y a-t-il? Enfin, madame la forgerolle. La forge. La. La forgeronne. Des rumeurs? Je suis vraiment heureuse de ne pas vivre à Leyawin. Il y a trop d'étrangers là-bas. Oula.
Je ne vois pas l'intérêt de vous promener avec des objets cassés. Jolie ville, mais il faut beaucoup d'argent pour vivre bien ici. Sortez de la ville et allez chasser. Vendez les pots. Vous pouvez aussi piller les vieilles grottes et les ruines. Ouais, c'est pas comme si j'hypothéquais ma vie en partant à l'aventure, vu ce qu'il y a comme danger là-bas. Si c'est cassé, je peux m'en occuper. Ouais. Bref. Armes, armure, j'ai tout ce qu'il vous faut. Que puis-je pour vous? Alors attends. D'ailleurs, je suis couillon. Parce que je me suis présenté à toi en armure, alors que j'aurais dû le faire en robe de séduction. Journée. Bonjour, je suis Racheda, la forgeronne, et voici feu et acier, armure, armes de qualité et réparation. Que puis-je pour vous? Puis-je vous montrer la qualité de mes marchandises? Oh la vache. Ils sont intéressants, les gants là. Hein. Pardon. Ouais, bah l'épée courte en argent, je vais la céder, tant pis. Je garde ça pour me défendre, qui est beaucoup plus léger et qui fait autant de dégâts. Je fais toujours des bons prix à mes bons clients. Yeah, yeah. Je te crois. Ouais, bah c'est bon. C'est un plaisir de pouvoir vous servir. Merci. Au revoir. Plaisir partagé, on le voit là. Oula. En tant que lame, ma place est aux côtés de Martin. Ah, d'accord. Nous devons nous dépêcher. Je ne serai pas tranquille tant que Martin ne sera pas en sécurité au temple du maître des nuages. Si je peux cumuler les coéquipiers de bataille, moi je suis pour. Je vais vous garder avec moi un petit moment, les gars. Je vais me sentir moins seul. On va y aller tardivement au temple des nuages, hein. Dans un mois. Non mais c'est tout bénef. Si on bosse en trio, moi je signe tout de suite. Ah, il y a mon dit château au-dessus, c'est vrai, il faut que j'y aille aussi à celui-là. Ouais, on va aller à mon château. Ah, c'est sympa, ça me plaît bien. Pardon. Oulala. Ah bah, si vous avez vos chevaux, c'est bien. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, le mien est là-bas. Le mien broute de l'herbe. Ah, bah oui, voilà, si vous êtes équipé de chevaux, c'est parfait. En route pour l'aventure, les garçons. Mais...
Merci. Bien joué, le cheval. Bon, ils arrivent les autres ou... Moi, je vais pas rester longtemps, je vais juste aller voir mes affaires. Ah oui, c'est vrai que j'ai même le luxe d'avoir un forgeron pour moi. Acier, tac 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 tac. Oui, j'avais gardé tout ça, moi je sais plus. Là j'ai un balai. Y'a de ces choses, y'a de ces trucs. Ah, on est bien ici. Alors, je pense que je pourrais ranger des bouquins, des trucs comme ça. Bah d'ailleurs, des bouquins que je ferais peut-être bien de consulter avant. Oui. Ah, arc lié. D'accord. Bien. Tac, tac, tac. Je croyais que je l'avais déjà, mais bon. On va dire que je cumule. Bon, bah... Alors ça, je dépose. Oui, elle était bien l'histoire de la guilde des guerriers. Ouais, bah c'est bien, ça me libère d'un poids. Après, je sais pas si je dépose. Ouais, si, je vais déposer les machins là. Ah non, la robe noire, j'aurais dû la garder. Merdoum. Ah oui, elle a pas de masse, donc c'est tout bénef pour moi que de garder la robe noire. Ouais, bah c'est bien comme ça. Est-ce que je dépose des trucs par rapport à la magie? Grande question. Ah, c'est toujours ça d'économiser.
oui, j'ai pas eu peur. Moi, je me suis barré en tenue légère. Là, j'ai pas remis le. J'ai pas remis mon armure. Ah oui, la cuirasse de maille. Je me demande si je serais peut-être pas bien de la laisser. Encore que non. Non, c'est super important d'avoir une armure. Surtout à mon niveau maintenant, là, ça devient chaud. Qu'à 11 en protection. Ah, je m'attendais à être à un niveau plus élevé. Tiens, bizarre. Ah oui, ça aide ça. D'accord. Parce que je porte l'anneau et de vipère. Voilà pourquoi. Le maraudeur mort, franchement. Wow! Eh, mon cheval est sur point de mourir. J'espère qu'il va se refaire une santé parce que j'ai pas le sort guérison et toucher. Je crois pas. Hein. Je crois pas. Non. Pic de... Ah, temple de mettre des nuages, ouais, près de Bruma, c'est ça, ouais. Je me demande si on va pas aller dans la direction opposée. Et si on se barrait à Braville. Puis à Ledjawin. Ce serait énorme quand même, non? Non. J'aurais aimé mettre un indicateur, mais apparemment on peut pas. Ah, bon, tant pis. Bon, bah, l'aventure, c'est l'aventure. Bonjour. Quoi? Qui c'est qui m'a dit bonjour? Ah, c'est toi. Oh, il y a un cheval là. C'est le cheval de qui? Cheval du prieuré de Waynon. Bah, qu'est-ce qu'il fout là? Alors là, j'y comprends plus rien. Oula! C'est quoi ce déplacement?
se laisse glisser. Ça c'est très drôle. Ça c'est très très drôle. Ok, oh mon dieu. Oh la vache. C'est vraiment très drôle. Ah putain, j'en ai la larme à l'œil. N'importe quoi. Oh non. En fait, c'est un... Il se fait passer par un... pour un... un prêtre, mais en fait, c'est un démon, le mec. Il fait usage de la magie noire. Oh mon dieu, c'est génial. Aïe, aïe, aïe. Oh, le carnage. On voit les dépouilles des mecs. Regardez les autres. Oh, qu'est-ce qu'ils font? Je suis surpris qu'ils aient autant de retard. Mais ils font la popote? Ils sont arrêtés au bas côté pour se soulager ou quoi là? Pourquoi ils mettent autant de temps? Surtout que j'ai pas croisé de menace sur la route. Je comprends pas là. Là, je piche pas. Il va faire nuit et il me suit pas. Je comprends pas. Hop, 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 il y a une porte de l'oblivion. Chez l'ennemi, ce qui est très culotté.
se mettre à l'abri. Ou alors, on peut faire Martin sur le plateau. Waouh. Génial. Il est où?
connaissance, d'accord, je peux comprendre. Merde, j'ai pas remis mon bouclier. Ouah, quel abruti. Pas vu l'ennemi. Ah ouais.
Oula. Hein, tu... Bon, vous me suivez, les mecs? Allez, go. Belle dégringolade. C'est quand même ça de prix. Debout, lève-toi et marche. Elle fait des dégâts, mais alors elle est d'une masse monumentale, quoi.
Je peux pas la prendre, c'est pas possible. 32 de masse, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Ouais, petite pause s'impose. J'en prendrai un peu plus tard. Mais je suis content. Ça s'annonce sous les meilleurs auspices, ça me plaît. Voilà, il va mettre encore 3 plombes avant de me redonner la main. Aïe aïe aïe. Je suis pas avec cousin en un quart d'heure. Ça y est.